C'est un phénomène aujourd'hui reconnu sur le plan international. Beaucoup de femmes en souffrent, beaucoup d'enfants, que ce soit des garçons ou encore des femmes, mais on n'en parle pas assez parce que les victimes continuent justement d'en souffrir, leur vie en pâtissent et malheureusement, ces victimes n'ont pas le courage de dénoncer les bourreaux. Aujourd'hui, dans cette émission, nous faisons quelque chose d'assez spécial. Nous exposons aux yeux de tout le monde un cas de viol qui a duré 7 années et qui a complètement chamboulé la vie de cette jeune fille togolaise. Une histoire qui sera racontée tout à l'heure avec maman Suzanne, avec notre témoin elle-même dans l'anonymat. Et bien entendu, on espère pouvoir compter sur vous pour nous soutenir, pour la soutenir et pour l'aider à reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bonjour, mon amour. Bonjour, Océane. Bonjour à tous les chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement et bien sûr à l'estrade. Nonobstant, bien sûr, ces séries de lois érigées pour réglementer les auteurs de ces actes, plus d'un commette toujours ces bévues. Et bien sûr, comment appréhender ce sujet aujourd'hui? Vous êtes dans la pause, restez câblés. Voilà, alors on ne va pas seulement parler de viol, nous avons également l'honneur de recevoir ici l'ambassade de l'Inde, représentée par M. Davandine Djou, qui est le responsable marketing, et il est accompagné également de Mademoiselle Esther Campor, qui est web journaliste, et qui vient nous parler justement d'études en aide. Une troisième personne accompagne justement cette délégation, M. Yaovi Edouard Akapo, gestionnaire des ressources humaines, qui était lui aussi en stage en Inde. Alors si vous êtes intéressé justement par les études en aide ou encore du travail, c'est le moment de rester avec nous et de poser des questions sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06. Aujourd'hui, cette émission sera agrémentée par les chroniqueurs que vous maîtrisez tant. On a bien entendu Menteur Ambulant, accompagné de son oracle, Maman Suzanne, Linus National et International. Et puis, je fais un gros coucou également à Joël qui, quelque part dans le studio, est en train de promener sa bosse. Mais on vous a promis, depuis le début de la semaine, une émission spéciale pour le mercredi. Voilà. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Elle est dans le domaine ou du domaine des médias. Mmh. Elle est à la tête de plusieurs organes de médias aujourd'hui. Elle est également manager d'artistes et j'en passe. Une figure emblématique que vous avez le devoir de découvrir si vous êtes intéressé par ce domaine. Nous partons avec la capsule de notre invitée de demain, Rachida Dibril. Et on revient juste après pour commencer cette émission avec nos invités. Animer, manager, diriger une entreprise et un département dans une autre n'est pas donné à toutes les femmes du haut de leur jeune âge. Rachida Dibril est sans doute la jeune femme togolaise qui, dans les médias, représente aujourd'hui l'un des visages de la réussite féminine. Les médias, le showbiz, vont de pair et ce n'est pas toujours des défis agréables vu la charge de travail de chaque profil. En parlant de défis, ce n'est pas reconnaître le caractère exécrable du showbiz. Il faut pousser des griffes pour se frayer une place en tant que jeune femme. Mieux, les prédateurs sortent toujours et menacent. Alors, comment gère-t-on son quotidien dans ces domaines? Qui est Rachida Dibril, une jeune gladiateur média? Pourquoi est-elle vomie par d'autres pendant que nombreux l'adulent? Pour le savoir, rendez-vous ce mercredi à 11h30 dans la pause « Portrait de la semaine » avec Rachida Dibril. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes mardi et nous célébrons les élus du jour. Qui est-ce qu'on a justement à la comptabilité? J'aimerais simplement inviter ici un Menteur Ambulant, le représentant de toutes les entités ici présentes, mais en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Notre histoire ne se résume pas à la colonisation. Notre histoire est peut-être celle de l'abnégation, grenier de paix de par nos divinités, mais pourtant nous sommes des opprimés hantés. L'opprimé ne restera pas opprimé car tôt ou tard, le goût de la liberté finira par triompher. A dit l'oracle. Oracle, oracle, oracle. Oracle, oracle, oracle.
Oracle, oracle, oracle. Après le jingle, bizarre. Allez, on part avec le jingle bizarre et juste après, les prédictions de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2022 et nous fêtons bien sûr un pays vélé comme là. Abra, un pays kabiel les pieds à l'eau, pieds à ballon. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, l'oracle va rentrer un peu plus en détail. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons demander à la calebasse, comme toujours. Déjà, nous partons à la découverte des prénoms du jour. Qui est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le 25 janvier, nous fêtons les Anani, Apollos, Artemas, en l'honneur de Saint Anani, compagnon de Saint Paul. Alors, nous continuons toujours avec la calebasse. Vous avez une connexion extraordinaire avec l'air, ce qui vous fait posséder un puissant aimant pour l'argent. Calebasse. Galoto. Oui. Deuxième prédiction. La platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. La métisse et ambre sont vos pierres de naissance. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 9, le 17, le 25 et le 27. Votre jour de chance est le samedi. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu vert, le bleu marine et le gris. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre, orchidée, chrysanthème. Votre plante bonheur est le cèbre. Votre animal porte-bonheur est le manchot. Merci. Merci, l'oracle. Bravo. Merci, l'oracle. Votre couleur porte-bonheur, entre autres, hein, c'est le bleu, que nous avons adoré avec fierté pour vous accompagner aujourd'hui. Oui. Et vous souhaitez également tout ce qu'il y a de plus beau. Mais on ne s'arrête pas seulement sur les prédictions. Hein. Nous continuons toujours avec une belle célébration musicale et une découverte de la personnalité du jour. Tout à fait. Devoir de mémoire, histoire de répertoire tombe aujourd'hui sur une grande dame de gospel togolais. Il s'agit de Afutu Yawavi Ahwefa. Diplômé en secrétariat de direction et en technique de laboratoire à Lyon, en France, titulaire d'un brevet international de secourisme et de santé communautaire, originaire de la ville de Sept-Collines, né un 23 juin. Marthe Audrey, en 2002, entre dans la sphère du gospel togolais, un peu comme le Saint-Esprit le jour du Pentecôte avec Kafou Maougan. 4 albums à son natif, Confiance, Kafou Maougan, À toi, Maman Marie, Rédemption. 2 tournées internationales sont à son actif. Engagée socialement, elle milite dans l'association Telden to Telden. Pour l'heure, écoutons, suivons ensemble Kafou Maougan. Sinele, magle odia ko,
Anniversaire, mais déjà qu'on vous confie entre les mains du Dieu Tout-Puissant avec cette belle chanson Exactement. De cet artiste. Mais est-ce qu'on a encore de ses nouvelles? Marthe Audrey. Ils sont toujours. Ah. À cause de la pandémie, elle est un peu au retrait de la scène, mais dans nos églises, tous les jours, on chante Marthe Audrey. Donc, l'artiste vit toujours. OK. Ça fait plaisir de le savoir. Ah ouais. Alors, merci également à tous ceux qui nous ont rejoints. On sait que vous êtes câblés parce que vos messages arrivent. Un salut, la pause. Salut. Entre-temps, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, très bien. Alors, bonjour, la pause. Cool. Bonjour. Waouh, Océane, aujourd'hui, tu ressembles à Aminata. Hein? Quelle Aminata? Adrou? Aminata, c'est ma maman, en fait. Ah, c'est bah ce que oui. je ne vous ai jamais dit. Bon, en plus de maman Suzanne et de ma maman qui me regarde à la maison à qui je fais un gros bisou quand même. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très, très sympathique. Oui. On vous attend pour participer à la rubrique de Maman Suzanne et pour nous donner vos conseils. Bien, Menteur Ambulant, on va conclure? Oui, on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires pour rendre nos chers amis anniversaires heureux, heureuses à la maison. Joyeux anniversaire à vous et surtout beaucoup de santé parce que je pense que c'est la chose la plus importante Exactement. Avant toute chose. Oui. Et nous allons poursuivre cette émission à présent. On parle des études, de stages ou encore de travail en Inde. Mmh. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'ambassade de l'Inde représentée par M. Dabondjin Djougou. Nous avons également Mlle Esther Exactement. Et M. Edouard avec nous. Bonjour chers invités. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? C'est nous. Nous, nous sommes totalement honorés de vous avoir, en fait. Parce que vous voyez, quand on dit que quelqu'un vient de l'Inde, c'est que la personne n'est pas venue la main vide. Justement. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Nous allons bien et nous espérons que vous allez tous bien. Aussi. Et que notre charmant public, nos auditeurs vont tous bien. Oui. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler un peu d'un pays aussi spécial. Un pays qui a pour mission le développement bilatéral. Mm-hmm. Un pays qui vient au Togo pour travailler avec nous pour un développement commun de nos deux pays. Mm-hmm. Ah. D'accord. Alors justement, quand vous dites un pays et que vous redorez ainsi le blason. Justement. On est juste très curieux de savoir de quel pays il s'agit. J'ai volé, hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'ambassade de l'Inde. Est-ce qu'on est toujours en Inde ou bien on est toujours dans l'Asie, mais c'est celle-là? Nous sommes quelque part en Asie, plus précisément au pays de Mahatma Gandhi, donc l'Inde. Voilà, nous sommes en Inde. Alors, aujourd'hui, l'Inde célèbre 75 ans de son indépendance et dans ce cadre, plusieurs activités sont organisées. Hein. Alors, qu'est-ce qui est prévu déjà au cours de... à l'actif de ces activités et surtout, comment est-ce que ça se nomme? C'est parce que je suppose qu'il doit avoir un thème particulier pour pouvoir déterminer ce grand jour. Oui, aujourd'hui, l'Inde célèbre les 75 ans de son indépendance. Pas aujourd'hui, mais nous célébrons une série d'activités, d'événements dans le cadre de ces 75 ans d'indépendance de l'Inde. Donc, hier, on a commencé une semaine spéciale qui va aller jusqu'au samedi prochain, où nous avons des événements qu'on organise. Mais nous sommes ici plus précisément
pour parler d'un événement spécial qui se tiendra du 28 au 29 janvier, donc vendredi, samedi prochain, d'accord, dans les locaux de l'ambassade. L'événement est nommé Discover India, okay, autrement à la découverte de l'Inde, ses d'accord opportunités, sa culture qu'elle nous partage. Alors, vous avez parlé d'une série d'activités. Moi, je veux bien qu'on rentre un peu dans le fond. Okay. Il y aura, parce que parmi les séries d'activités, je veux saluer M. l'ambassadeur, si vous nous regardez. I just want to greet you. Ambassador of India. C'est lui qui l'a dit. Voilà. C'est comme il l'a dit là, c'est exactement ça. Mais on veut savoir quelles sont les activités qui sont programmées. Voilà. Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes à la découverte de l'Inde? Et on veut aussi parler des études en Inde. J'ai entendu quelque part qu'en Inde, faire des études, c'est une chance, c'est une grâce aussi. Du coup, je vais revenir dessus. Mais au programme, qu'est-ce qu'on a réellement? Oui, au programme de cet événement Discover India, ce sont des journées portes ouvertes que l'ambassade organise pour informer le public sur les opportunités d'études, les opportunités de bourse, les opportunités de tourisme médical. Et je profite de l'occasion pour rappeler qu'aujourd'hui, le 25 janvier 2022, est une journée nationale du tourisme en Inde. Donc, autrement, aujourd'hui, l'Inde célèbre sa journée nationale du tourisme. Et puis, les événements sont organisés du 23 au 29 janvier. Donc, nous avons déjà commencé. Nous sommes déjà en plein pied dans l'événement. Exactement. Ça a commencé le dimanche passé à la plage de Ramatou où un artiste sculpteur célèbre, M. Bob Attisso, a sculpté le Gateway of India, la porte de l'Inde, un monument aussi spécial pour l'Inde. Hier, nous avons eu un événement avec les différents amis de l'Inde. Et aujourd'hui, nous continuons avec un événement économique avec une association d'hommes d'affaires du Togo. Demain, c'est la journée de la République de l'Inde, le 26 janvier, différente de la journée de l'indépendance de l'Inde. Ils ont deux journées nationales. D'accord. Donc, le jeudi, nous avons un webinaire entre la DBS et une université en Inde, l'université d'Andhra, dans le cadre de la promotion des relations éducatives pour explorer les différentes opportunités que l'Inde offre au Togo. Et donc, le vendredi à 15h, cet événement si spécial Discover India à la découverte de l'Inde va commencer avec une inauguration à 15h et se poursuivra le samedi jusqu'à 17h. Alors, pour participer à cet événement, l'entrée est libre? L'entrée exactement libre est sur inscription, d'accord, sur bit.ly/discoverindia. Ceci, c'est pour permettre au respect des mesures barrières liées au COVID. Comme ça, au moment de s'enregistrer, chacun choisira sa plaque horaire et on s'assurera qu'il n'y ait pas 30 personnes à l'intérieur au même moment. Pour éviter qu'il y ait un embouteillage. L'embouteillage et aussi la distanciation, que tout soit absolument bien respecté. Alors, la dernière question à votre endroit. Quelles sont justement les opportunités éducatives que l'Inde offre au Togo? En matière de coopération bilatérale entre l'Inde et le Togo, le partenariat de développement et le partenariat de développement de capacités sont deux piliers majeurs de nos relations. Dans le cadre des partenariats de développement, l'Inde, à travers des projets de développement socio-économique, soutient le Togo dans divers domaines. Maintenant, parlons du développement de capacités, de l'éducation, des opportunités éducatives que l'Inde offre. Le gouvernement indien dispose de divers programmes. Nous avons le programme de coopération technique et économique de l'Inde dénommé ITEC, sous lequel des professionnels togolais à travers le ministère des Affaires étrangères sont formés en Inde. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 professionnels togolais qui ont été en Inde sous ce programme. Et en ce qui concerne les programmes de bourse, nous avons la bourse de ICCR. ICCR, c'est le Conseil indien des relations culturelles. Donc, ils offrent des bourses aux étudiants. Et cette année, nous avons des étudiants togolais également qui sont partis en Inde sous ce programme-là. Nous avons un autre programme, le programme de Study in India.
nous allons donner les détails, nous allons aller en profondeur au sur toutes de, ces opportunités-là au cours des journées portes ouvertes que nous organisons du vendredi au samedi prochain. L'Inde a soutenu le Togo dans plusieurs domaines. Nous avons des scientifiques, des professeurs, des enseignants-chercheurs qui ont été en Inde également sous un programme dénommé Sivi Raman qui aujourd'hui a eu une pause, le programme ne continue plus. Oui. On espère dans les années à venir que le programme reprenne. Nous avons des professeurs de l'Université de Lomé et de Kara qui ont été formés sous ce programme-là. Merci voilà. beaucoup. Justement, et bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, ça sous-entend des filières, des études également. Oui. Et nous avons avec nous Madame Esther qui est une expérimentée, bien sûr, de ces études-là. Mais dites-nous, quelle est l'expérience que vous avez faite dans le domaine d'études en Inde? Alors, bonjour à tous. Bonjour, moi, c'est Esther Campor, je suis journaliste et web journaliste. Alors, j'ai fait mes études en Inde et je dirais qu'en général, c'était une expérience que positive. C'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas, mais c'est une expérience qui m'a permis de grandir parce que j'étais loin de la famille et j'étais aussi entourée d'autres Togolais. Ma chance, c'est que je n'étais pas seule lors de ce voyage-là. J'ai fait 3 ans là-bas et j'ai fait mes études dans journalisme et communication de masse. Et ces 3 ans m'ont aussi permis de m'améliorer en anglais. Et je peux dire que ça m'a apporté plus de bien que de mal. Votre nom indien? Alors, oui, parce que quand on part, on a toujours un petit nom indien ou un nom étranger qu'on affectionne particulièrement. Hein. Vous avez fait comme 3 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une phrase complète en indien? Oui. Ok, alors je vais vous dire... Namaste. 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 Ça veut dire... bonjour. Ok. Kese ho. Ouais. Comment vous allez? Moi, je vais bien. I'm very good and... On n'est plus en Inde, on est citoyens du monde. Puisque c'est le hindi et l'anglais qui se parlent en Inde, donc on mélange l'anglais. Justement, alors avant bien sûr de vous poser la question de savoir en quelle langue est-ce que vous avez étudié en Inde, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser ce projet? Alors, comment est-ce que je suis arrivée à réaliser ce projet? C'est grâce à la DBS. Alors moi, je suis partie grâce à une bourse que la DBS m'a offerte. L'université? Voilà. Pas à l'université, mais la DBS. Le gouvernement togolais. Oui. Voilà. Donc, j'ai postulé et j'ai été acceptée par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça s'est fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la DBS est toujours en coopération avec certaines universités, mais l'ambassade de l'Inde aussi est en train d'œuvrer dans cet ordre d'idées-là, afin de promouvoir plus l'éducation ou de promouvoir plus les collaborations éducatives entre l'Inde et le Togo. Et comme Jacques l'a dit plus tôt, nous avons des programmes comme Study in India, ICCR et plein d'autres programmes. Donc, j'inviterai tous ceux qui sont intéressés par les études en Inde de s'approcher de l'ambassade, de vérifier le site. Le site en ligne de l'ambassade ou de ce programme que je viens de citer, Study in India, et ils verront qu'il y a plein d'opportunités actuellement. Alors, il avait posé une question qui est restée en suspens. J'ai étudié en anglais pendant les 3 ans. Wow. Voilà. Vous étiez déjà bien à la base en anglais? Bah non, j'étais pas trop bien, franchement, j'étais pas trop bien. Mais je peux dire qu'au début, c'était vraiment casse-tête. Hein. Au début, j'avais des maux de tête à la fin de chaque cours. Mais après un mois, c'est fini, c'est parti, quoi. Je me suis améliorée. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, je pense que ça va rassurer plus d'un, parce qu'on se dit, ah, mais tiens, oui, on veut bien aller étudier en Inde, mais s'il faut parler anglais, alors qu'on sait que là-dessus, on a 3 pieds gauches, c'est pas évident du tout à faire. Alors, je vais me tourner vers M. Yao Edouard Akaku, gestionnaire des ressources humaines. Et nous parlons de stage en Inde. Alors, quelle est votre expérience à vous avec l'ambassade de l'Inde? Ok, bonjour d'abord. Bonjour. Parlant de l'expérience en Inde, disons, j'ai eu l'opportunité postuler un programme qui est mis sur pied par une grande entreprise indienne en partenariat avec une organisation étudiantine à laquelle je faisais partie. Oui. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai été retenu, d'abord pour faire partie du programme, ensuite coordonner le programme dans
dans une ville. Et par la suite, après une année d'expérience, j'ai eu la possibilité de rentrer dans l'équipe de la gestion des ressources humaines du même programme. Et bon, en parlant d'expérience, je dirais que ça a été beaucoup d'apprentissage. C'est d'abord un environnement assez différent, c'est assez dynamique. Et on a la possibilité d'innover, en fait. On a la possibilité d'apporter ses idées. C'est vrai, tu sais que okay, voici le résultat que tu dois atteindre. À toi maintenant de venir avec les idées qu'il faut. Ce n'est pas cloisonner du genre, tu fais forcément comme ci, comme ça. Il faut innover soi-même. Ouais. Donc, ça permet vraiment de grandir, de se dépasser. Il y a beaucoup de choses que je dirais je ne m'imaginais pas être capable de faire. On veut bien savoir déjà. Hein. Nous sommes curieux. D'abord, la première des choses, comme elle a dit, c'est l'amélioration du niveau en anglais. Et de mon côté aussi, c'est vrai que bon, je pense qu'il y a une petite nuance. On peut savoir peut-être parler anglais ici, peut-être entre nous au Togo, mais quand on se retrouve dans un environnement multiculturel, les accents, c'est différent. Ouais. Je peux même dire que au début, arrivé en Inde, je pense les gens parlaient anglais, je croyais qu'ils parlaient leur langue. Okay. Okay. Le débit est différent. Ouais. C'est différent. Et puis il y a les accents. Donc j'ai eu la chance à travers ce programme de faire partie d'un environnement où on avait près d'une trentaine de différentes nationalités. Donc ça permet de s'intégrer rapidement et de gérer des gens de plusieurs nationalités, d'avoir des relations avec plusieurs personnes assez bien placées dans des grandes entreprises. Ouais. Au-delà de ça aussi, ça permet en fait d'augmenter ses capacités en termes d'adaptabilité. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un nouvel environnement, mais il faut bien cerner cet environnement pour pouvoir faire ce qui est à faire. Et ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur différentes façons de faire. C'est vrai que nous avons nos façons de gérer les activités et ça marche ici peut-être, mais ce n'est pas forcément la même façon que ça va se faire peut-être au Ghana ou au Mali ou en Inde. Voilà. Donc ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, savoir que c'est vrai que même si c'est bon, ça peut être mieux. Et ça permet de cultiver l'excellence, en fait, je dois dire. Franchement, vu comme ça, là, mon mari, vraiment, ça grâce. On vous suit en même temps, on part en Inde, parce que oui, je pense c'était que... C'était quand même un parcours bien raconté, mais c'est très, très joli, c'est vraiment très, très joli. Du coup, est-ce que tout le monde peut avoir la possibilité de venir solliciter une bourse ou alors de se faire accompagner? Parce qu'aujourd'hui, on a des étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants qui peuvent avoir la possibilité de partir en Inde. Est-ce qu'on peut avoir également des professionnels qui peuvent se rapprocher de vous? Quelle est la cible recherchée? L'ambassade est ouverte à toute personne qui souhaiterait avoir d'informations en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les stages, les bourses. Non seulement j'irai au-delà pour parler d'une assistance commerciale, ça c'est aux entreprises qui souhaiteraient faire des affaires avec les entreprises indiennes. Mm-hmm. Ça c'est un autre débat, peut-être qu'on en fera une prochaine fois, si Dieu le permet. Il l'a déjà permis. Mais en ce qui concerne les études, l'ambassade est ouverte et nous invitons tout le monde à pouvoir participer à ces journées portes ouvertes et à découvrir beaucoup de choses. L'objectif de ces journées, c'est donner le maximum d'informations possibles à toute personne qui souhaite en avoir. Vraiment, Alors, sur quelles adresses on peut retrouver aujourd'hui l'ambassade de l'Inde? J'ai vu qu'on avait affiché quelque chose à l'écran. On va revenir dessus, mais je vous laisse la parole. L'ambassade de l'Inde est située à la cité Ouya, sur la rue de la Primature, juste devant la Primature, en face de l'ambassade de Libye. On va rapprocher le micro un peu plus. Oui. Voilà, d'accord. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes également assez actif. D'abord, le site de l'ambassade, c'est www.embassyofindialome.gov.in. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Merci beaucoup. Comme vous le voyez sur l'écran. N'hésitez pas à nous suivre parce que nous partageons beaucoup d'informations très importantes, capitales, sur les réseaux sociaux comme ça. Par exemple, les opportunités de bourse qui viendront, les opportunités de stage qui viendront, nous partageons tout ça sur nos réseaux sociaux pour permettre une bonne communication. Oui, autour. Tout le monde ait l'information. Puisque avant, il n'y avait pas encore d'ambassade au Togo et l'information n'était pas vraiment centralisée. Peu de personnes ont d'informations sur les opportunités d'études en Inde, comme on vient de le souligner.
Voilà. Alors, vous pouvez retrouver l'ambassade de l'Inde, également tout ce qu'il y a comme activité et opportunités sur les différents réseaux sociaux. Mais on vous invite quand même à vous y rendre directement pour poser les questions sur place. Et comme ça, vous avez les réponses à vos questions. Et puis, il n'y a plus de doute du tout. Je veux juste dire merci à M. Dabon Djougou. Vous êtes le responsable marketing à l'ambassade de l'Inde. Vous nous avez ramené une pépite, justement, ouais, notre chère Esther Campor, qui est web journaliste. Ah ouais. Elle a fait ses études en Inde. Et tenez-vous bien, c'était 3 ans en anglais quand même. Bah c'était pas évident. Alors qu'elle n'était pas si à l'aise en anglais que moi. Hein. I'm very à l'aise in English. Voilà. Et puis, on parlait de stage, opportunités professionnelles. C'est M. Aovi Edouard qui a fait, lui, son expérience. Et au travers de tout, c'est dit, vous avez compris à quel point partir en Inde, pour que ce soit les études ou encore le stage, on est toujours bien pris en charge, on est accompagné, on est suivi. Et après, quand on revient, est-ce que vous avez envie de retourner vous installer là-bas? Attention à ce que vous allez dire. Disons que c'est déjà en cours. Non, je pense que c'est bon. Il faut qu'on freine sur le stage et puis vous revenez pour développer le pays quand même. Merci infiniment d'avoir choisi la pause. Oui, juste pour ajouter, je voulais juste dire que Monsieur Jacques a parlé des différentes opportunités que l'ambassade a. Je pense que le principal défi, c'est peut-être le manque d'informations, le fait que les gens ne savent pas. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à se rendre à l'ambassade quand ils ont besoin d'informations. Voilà. Mais au-delà, c'est exactement pour ça que cet événement est organisé, Discover India, qui aura lieu le 28 et 29, la fin de la semaine. Donc, à cet événement, ils auront la possibilité d'avoir toutes les informations sur les stages, les bourses d'études, le tourisme, tout ce qu'il y a à savoir sur l'Inde. Donc, le lien d'enregistrement, bon, malheureusement, ça ne peut pas être affiché, mais je peux le dire, c'est bit.ly/discoverindia en majuscule. Donc, vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire, de choisir l'heure à laquelle vous allez passer. Venir, vous allez passer et tout ça. Et aussi, peut-être des contacts pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur l'événement. Vous pouvez appeler sur le 92, 97, 67, 27. Le 92, 97, 67, 27. Merci infiniment. 10 secondes pour le mot de fin. Oui, alors j'aimerais juste renchérir ce que Edouard vient de dire. Alors, venez très très nombreux à cet événement. Ça ne sera pas, ça sera fun. On vous promet du fun aussi. Et venez pour poser les questions parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient avoir accès à ces opportunités mais qui ne savent pas. Et n'hésitez pas à vous approcher de l'ambassade aussi. Merci. Merci infiniment. J'espère qu'il y aura la danse indienne. Il y a aussi beaucoup de couleurs quand même. Il y a beaucoup de couleurs. Au-delà des études et tout ça, il y aura la danse, il y aura même la cuisine indienne. Donc vous pouvez venir déguster. Et il y a aussi un stand dédié au bien-être et le yoga. Donc, venez, il y aura un peu de tout. Pour dire simplement que c'est l'Inde qui se déplace à vous. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller pour saisir cette opportunité. Merci infiniment à nos invités. On va poursuivre cette émission à présent. Nous marquons une petite pause avec la plage publicitaire. Et juste après, on retrouve Maman Suzanne, Linus National et International, également notre témoin. On vous parle de viol. Aujourd'hui, nous avons un témoin qui pourra nous raconter son histoire. Ça a été 7 longues années violée par son propre père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À tout à l'heure. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
animer, manager, diriger une entreprise et un département dans une autre n'est pas donné à toutes les femmes du haut de leur jeune âge. Rachida Djibril est sans doute la jeune femme togolaise qui, dans les médias, représente aujourd'hui l'un des visages de la réussite féminine. Les médias, le showbiz vont de pair et ce n'est pas toujours des défis agréables vu la charge de travail de chaque profil. En parlant de défis, ce n'est pas reconnaître le caractère exécrable du showbiz. Il faut pousser des griffes pour se frayer une place en tant que jeune femme. Mieux, les prédateurs sortent toujours et menacent. Alors, comment gère-t-on son quotidien dans ces domaines? Qui est Rachida Djibril, une jeune gladiateur média? Pourquoi est-elle vomie par d'autres pendant que nombre l'adulent? Pour le savoir, rendez-vous ce mercredi à 11h30 dans la pause Portrait de la semaine avec Rachida Djibril. Toujours avec nous sur la télévision nationale togolaise et on vous dit merci infiniment de nous choisir. Mmh. Nous avons été rejoints par un beau panier de jeunes femmes. Elles sont juste très magnifiques et extraordinaires, mais aujourd'hui nous allons parler ou rester statuées sur le sujet du viol. L'illustre nationale internationale, elle est là, mais je ne veux pas lui donner la parole tant que son jingle n'a pas été joué. Jingle. Non, mais on voulait le même sourire pour rentrer. En fait, je voulais être en communion avec le sujet qui n'est pas du tout agréable. C'est vrai que j'ai rigolé tout à l'heure dans le jingle, mais là, je pense qu'on va faire un peu plus sérieux. Très sérieux. Et on va plonger dans le sujet du jour. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous qui nous suivez depuis les écrans. Alors, le viol, on en parle. Défini selon le dictionnaire Robert, c'est l'acte par lequel une personne en force une autre à avoir des relations sexuelles avec elle par violence. Et parlons donc de tout ce qui est juridique. Nous allons parler du code pénal du Togo à son chapitre 3 et à sa section 1. Attentat donc à la pudeur, donc la section 1 qui parle de l'attentat à la pudeur. On est à l'article 87 de ce code pénal qui dit « Le viol consiste à imposer par fraude ou par violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. Tout auteur ou complice de viol sera puni de 5 à 10 ans de réclusion. La peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la victime plusieurs relations sexuelles ou encore si les violences exercées ont occasionné soit une grossesse ou une maladie ou incapacité de travail excédant 6 semaines. Donc ça, c'est la définition du viol. Alors, on va dire déjà qu'en général, les victimes de viol sont les femmes. Ça ne veut pas non plus dire que les hommes ne sont pas victimes de viol. On va s'appesantir sur tout ce qui est violence sexuelle, donc viol par rapport aux femmes. On va dire également que si nous revenons un peu en arrière au Moyen-Âge, là nous sommes en Occident, le viol a été considéré comme viol au Moyen-Âge. Parce que bien avant, c'était un peu des considérations qui ne mettaient pas en valeur ce phénomène. Ouais. Donc c'est à partir du Moyen-Âge qu'on a réellement pu définir le viol comme étant un crime. Voilà, on commence par là. Si nous revenons en Afrique, chez nous, il y a des coutumes qui, on va dire, font la culture du viol, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, on pourra parler de l'éducation qui ne permet pas une libération de la parole des femmes. Exactement. On va également parler de la protection de l'image du couple. On va dire, ben, pourquoi est-ce que je vais aller dire que mon mari m'a violée? Parce que oui, le viol existe chez les conjoints. Voilà, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre, à imaginer, mais oui, le viol conjugal existe. On peut également avoir des coutumes dégradantes. Je vais prendre un exemple général en Afrique, parce que tout à l'heure, je me suis renseignée chez maman Suzanne concernant le Togo. Durant mes recherches, j'ai trouvé au niveau du Rwanda, du Kenya, de l'Afrique du Sud, une coutume qui consiste aux prétendants
plutôt une coutume qui consiste à laisser le prétendant aller kidnapper la jeune dame, la ramener chez lui, avoir des rapports sexuels avec elle, et ensuite repartir vers la famille en exigeant que cette dame puisse épouser le monsieur. Donc c'est contre le consentement de cette jeune dame qu'elle a été mariée, en fait. Donc ce sont des coutumes qui n'encouragent pas, ou plutôt qui encouragent l'impunité, et qui n'encouragent pas le fait que le viol soit reconnu comme un crime. Voilà. Et maintenant, si nous allons au niveau des chiffres, c'est un peu compliqué à trouver les chiffres en ce qui concerne le viol. J'ai essayé de chercher, je vous parle peut-être de certains chiffres. Déjà, un rapport de 2010 que j'ai pu trouver. Les viols dénoncés, là je parle bien des viols dénoncés, parce qu'il y a beaucoup de viols qui ne le sont pas. Donc on a 250 000 viols chaque année. Je parle bien des viols dénoncés. Et si on dit que les viols, pour la plupart du temps, ne sont pas dénoncés, imaginez un peu le nombre de viols qu'on peut avoir par année. C'est horrible. Et si on fait un peu le rapport, on se rend compte que le viol est beaucoup plus fréquent que les homicides. Donc, on parle des homicides tous les jours, chaque jour, quand on suit les médias, on écoute la radio, la télé, on parle des homicides. Mais sachez que le viol est encore plus fréquent que les homicides. Maintenant, pour parler de toutes les actions et tout ce qui a été mis en œuvre pour aller contre le viol, on a bien sûr les législations. C'est vrai qu'il y a certains pays aujourd'hui qui ne reconnaissent pas le viol comme étant un crime. Mais quand même, pour la plupart aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait côté législation pour reconnaître ce phénomène comme étant un crime et punir pénalement ces personnes qui s'adonnent à cette pratique dégradante. Donc, on va dire qu'il y a quand même des mouvements qui sont allés contre des associations, des ONG, qui vont contre ce phénomène-là. On peut citer pêle-mêle, déjà au Togo, le collectif Non, c'est non, de Mars Faré. Exactement. On a quelques mouvements également mondiaux, comme MeToo. C'est un mouvement social qui encourage la prise de parole des femmes. Et on a eu un hashtag, je ne sais pas si vous vous souvenez, un hashtag de cette journaliste ivoirienne, Bintou Mariam Traoré, en 2020. La vraie femme africaine, femme africaine, qui a été retweetée, qui a été partagée en quelques jours plus de 200 000 fois. C'était pas rien du tout. On a également Balance ton porc et le site Balance ton corps. balancetonport.com, sur lequel on peut aller librement dire... Laisser un commentaire sur une situation de viol qu'on a vécue. Donc voilà un peu ces petites actions, à part la législation, qui aident à aller contre ce phénomène vraiment, je ne sais pas, crapuleux. Une description pour la société. Qu'est la crime. Voilà un peu défini comme ça le crime du viol. Et je ne vais pas aller sur les conséquences, parce qu'on a, je pense, une vidéo. On a une vidéo du docteur, nous avons un gynécologue qui nous parle justement, où nous relate les conséquences sur plan physique. Et nous avons également l'honneur de recevoir sur le plateau Madame Annick Nakou, qui est psychologue, qui va nous parler des conséquences sur le plan moral, sur le plan... mental sur une victime, psychique sur une personne qui a été violée. Mais tout de suite, là, je veux comment qu'on parte avec le jingle de Maman Suzanne. On va donner des conseils. Nous allons éteindre les lumières parce qu'il faille protéger l'identité de la personne qui va témoigner. Et juste après, vous allez rester avec nous pour écouter ce témoignage d'une jeune fille qui a été violée pendant 7 années par son père. Jingle. Les conséquences des violences sexuelles ou du viol chez la jeune fille sont multiples. Vous avez d'abord des conséquences liées aux problèmes émotionnels et de santé mentale, qualifiées dans le concept donc, de stress post-traumatique. Ce sont des graves troubles psychosomatiques comparés, si on veut le dire, à ceux ressentis par des soldats nord-américains revenus de la guerre du Vietnam au début des années 70. Et qui se caractérise essentiellement par des cauchemars,
par des évitements à cause de la mémoire traumatisée, des troubles donc de comportement. C'est des jeunes filles qui auront même des sensations, des tendances d'automutilation, des tendances suicidaires. Automutilation, c'est-à-dire qu'elles auront tendance à se brûler la peau parce qu'elles ont honte d'elles-mêmes. Vous aurez également des symptômes d'anxiété, de nervosité, de dépendance à certaines addictions, des troubles du sommeil, des troubles d'alimentation. Vous allez voir, certains vont carrément se réfugier dans l'alimentation en faisant de la malbouffe, ou d'autres carrément vont avoir des comportements à risque, tels que la multiplicité ou avoir donc des partenaires sexuels multiples, avec bien sûr risque de choper des infections sexuellement transmissibles. Certaines carrément vont avoir des tendances agressives ou même manifester donc certaines violences dans des relations, dans des simples relations. Elles auront donc du mal même à pouvoir tisser donc de bonnes relations. D'autres auront même des tendances de fugue. Ce sont donc des symptômes qui sont le plus souvent remarqués donc chez ces jeunes filles-là. Chez d'autres, carrément, on peut avoir des douleurs chroniques invalidantes, d'origine bien sûr infectieuse. Au-delà de cela, on peut également avoir c'est des jeunes filles qui auront du mal à se concentrer, à cause de la mémoire traumatisée. Donc, on verra donc certaines qui vont beaucoup plus abandonner donc les études à cause de la difficulté donc de concentration. Et sur le plan santé physique, on peut même avoir donc des problèmes de fissures obstétricales au décours de ces violences sexuelles. D'autres jeunes filles peuvent présenter des déchirures des parties molles qui peuvent, lorsqu'elles ces déchirures ne sont pas bien réparées, bien prises en charge, qui peuvent plus tard provoquer ou entraîner des dyspareunies, qui sont des douleurs au moment des rapports sexuels, et compromettre donc la vie sexuelle conjugale si ces jeunes filles, une fois mariées. Au-delà de ça, on peut avoir également dans certaines infections génitales qui peuvent aussi compromettre l'avenir obstétrical de ces jeunes filles lorsqu'elles ne sont pas prises en charge. Je vous donne un exemple classique. Lorsque, par exemple, elles chopent une infection à chlamydia, qui c'est une infection qui a cette particularité d'obstruer la trompe donc, des jeunes filles. Donc, ces jeunes filles, vous comprenez aisément que à long terme, donc, va ressortir avec des complications de trompe bouchée qui risquent donc de compromettre son avenir obstétrical. Au-delà de ça, on peut avoir même des conséquences qui peuvent engager le pronostic vital chez ces jeunes filles. Lorsque, par exemple, vous avez des déchirures avec importants saignements qui ne sont pas maîtrisés ou pris en charge, c'est des jeunes filles qui peuvent se vider de leur sang et perdre la vie facilement. À long terme également, donc, on peut avoir des troubles métaboliques, des troubles gastro-intestinaux, également des troubles cardiovasculaires à cause de l'anxiété permanente, de la nervosité qui peut faire donc le lit donc aux maladies cardiovasculaires. Et donc, aucune jeune fille, sinon aucun enfant ne devrait subir les conséquences de la violence sexuelle. L'impact est assez considérable sur la santé des victimes et donc particulièrement important. Et il urge sinon, je dirais, indispensable que ces victimes puissent bénéficier des soins. Voilà, il est important, selon le docteur Adodo de la clinique Shekina, que ces victimes puissent bénéficier de soins et d'un accompagnement. Maintenant, nous allons laisser notre victime se prononcer. C'est 7 années violée par son propre géniteur. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Et c'est une histoire qu'il est important que vous puissiez découvrir. Je veux également préciser que nous avons ici, dans l'équipe de La Pause, lancé une collecte de dons pour l'accompagner, parce qu'aujourd'hui, elle travaille comme domestique auprès des ménages pour pouvoir subvenir aux besoins de ses deux sœurs qui sont à sa charge. Et à 23 ans déjà, elle a dû laisser ses études pour faire face aux vicissitudes de la vie. Bonjour madame, vous avez la parole. Bonjour. Alors, quelle est votre histoire? Mon histoire, ça fait beaucoup d'années que je voulais en parler, mais quand j'ai suivi l'émission La Pause, j'ai vu comment ça se passait, en fait. Et j'ai voulu m'adresser à Tata Océane pour qu'elle puisse m'aider à en finir une fois de bon.
Je suis une personne, mais non, je n'ai plus de rêve. Pratiquement plus de vie. Mais j'ai l'espoir que ça ira. J'ai 23 ans ce jour. Quand j'ai eu 15 ans, je m'occupais déjà à cet âge de mon grand-père maternel qui... Je m'occupais de sa toilette et de son entretien hygiénique. J'avoue que je ne connais pas mon père, car lors de ma grossesse, ma mère s'est mariée à un autre homme. Quand je le connais enfin dans ma petite enfance, ma grand-mère voulut que j'aille vivre auprès de lui, car elle voulait mon bien. Mon père était au Bénin et s'était marié à une autre femme et avait des enfants. J'avoue que je ne l'aimais pas du tout. Je fuyais dès que je le voyais arriver au village. J'étais au CE1 au Togo, mais là-bas, je fus recalée en classe de CI, ce qui m'embêta beaucoup, mais je n'avais pas le choix. Mon oncle m'amena alors de force chez mon père. Et c'est là que commença mon cauchemar. J'avais entre 12 et 13 ans quand quelque chose s'est imposé à mon quotidien. Mon père a commencé par coucher avec moi de façon incompréhensible. Et tenez-vous bien, je ne trouvais aucun problème à cela dans ma naïveté. Pour moi, c'était la seule famille que j'avais. Cela continua jusqu'à ce que je n'ai mon CEPD. Il me battait lorsqu'il me voyait avec d'autres hommes ou des camarades d'école. Je traînais avec des blessures sur tout mon corps. Surtout au moins dire et mensonge de ma belle-mère qui prenait plaisir à me faire bastonner. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous arrêter, de marquer une pause. Et si vous sentez que vous pouvez continuer, nous allons continuer. D'accord. Ça va. Ça peut aller ? Oui. Okay. Merci. Cela continua jusqu'à ce que je n'aie mon CPD. Au collège privé qui était catholique également, mes enseignants m'appréciaient beaucoup et m'encourageaient énormément. Ce sont eux d'ailleurs qui subvenaient à certains de mes besoins.
car j'en avais beaucoup. Mon père ne payait même pas ma scolarité. S'il fallait qu'il veuille bien faire quelque chose que je lui demandais, il fallait d'abord qu'il couche avec moi. Et c'était pareil pour la moindre demande que je lui adressais. Alors, je vais vous poser quelques questions pour être sûr qu'on a vraiment suivi. D'accord? Donc, en résumé de ce que vous avez dit, les cas de viol ont duré 7 années de votre vie. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus avec votre père. Non. Est-ce que ça a été dénoncé à quelqu'un? Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Oui, j'ai pu parler de ça à une religieuse qui était notre censeur du collège à l'époque. Quand je le lui ai dit, elle a versé beaucoup de larmes et elle m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit que si elle pouvait me trouver un logement où je pourrais habiter, car je ne voulais plus rester avec mon père. Alors, elle est allée parler au fondateur, qui était un évêque en ce temps. Et ils m'ont trouvé un hébergement Ils m'ont trouvé un logement près de l'école où j'habitais. Mais je crois que j'en ai parlé aussi à ma belle-mère. Mais elle autre, je croyais qu'elle allait me comprendre, mais elle m'a plutôt battue sérieusement et m'a renvoyée de la maison. Elle ne s'est pas préoccupée de moi. Mais la religieuse, je crois que elle ne me disait pas tout ce que l'évêque disait. Elle voulait que je me réconcilie avec mon père, alors que l'évêque, lui, il voulait que quand j'aurai mon bébé, si nous puissions le confondre. Donc, au lieu de confronter votre père, elle a préféré que vous soyez en bon terme avec lui et que rien ne lui soit dit et qu'on le laisse comme cela. Oui. D'accord. Alors, j'aimerais poser une autre question. Où est-ce que vous êtes exactement? Est-ce que c'est le logement cette date? Voilà. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous n'êtes plus avec votre père? Oui. Ça fait plus de 7 ans. Car quand la sœur j'en avais parlé à la sœur et qu'elle m'avait trouvé un logement avec l'évêque. Après, pendant les congés, elle a voulu que j'aille chez mon père, alors que l'évêque, lui, il voulait en fait que je puisse aller dans une autre ville, dans un orphelinat. Mais moi, je n'étais pas consciente des dangers, en fait. J'étais allée et après, l'évêque a décidé de ne plus prendre en charge ma scolarité et mon hébergement. Ça l'a énervé que vous soyez reparti chez votre père. Oui. Et à quel moment vous êtes revenu à Lomé? Parce que tout ça se passe au Bénin. Oui. À quel moment vous êtes rentré à Lomé? Quand je suis rentrée à Lomé, c'était parce que
au lycée, j'avais commencé à avoir des chocs mentaux. Je n'arrivais plus à mémoriser mes cours. Je n'arrivais même plus à rien garder en tête. C'était très difficile pour moi d'apprendre. Alors, mes enseignants, ils me comprenaient, mais ils m'interrogeaient. Mais je n'avais jamais eu le courage, en fait, de leur dire ce qui m'arrivait. Je fus alors tentée par la tricherie. Mais ce jour-là, ça m'a coûté cher. Car c'était même la première fois que je le faisais. Le directeur a décidé de m'exclure parce que je ne payais pas mes scolarités et en plus de la tricherie, il m'a exclue et je n'avais plus d'hébergement, plus d'école où étudier. Et vous êtes rentrée à Lomé? Oui. J'aimerais poser la question, vous étiez venue chez qui à Lomé? Quand vous êtes rentrée à Lomé, vous êtes allée trouver qui? Vous êtes installée. Et votre maman dans tout ça? Oui. Quand je suis rentrée à Lomé, j'étais partie chez ma mère, mais la vie n'était pas rose pour elle. Elle aussi, elle s'était mariée et elle avait deux filles qui étaient mes sœurs, mais son foyer battait des ailes. C'était très, très difficile pour elle aussi. De s'en sortir. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vivre depuis que vous êtes rentrée à Lomé jusqu'à ce jour? Quand je suis rentrée à Lomé, j'ai voulu prendre en charge la scolarité de mes sœurs et pouvoir m'en sortir par moi-même. Donc, j'ai voulu faire... J'ai trouvé un travail de domestique que je faisais, mais malheureusement, j'ai commencé à avoir des problèmes de reins. Je ne comprenais pas, puisque je n'avais jamais eu de choc physique, ou bien je n'avais jamais eu d'accident. Donc, j'ai commencé à acheter des médicaments non pharmaceutiques chez des bonnes dames. Ouais. Mais ça ne me soulageait pas, ça. C'était... C'est encore sans effet. Oui. Sans effet. La situation. Ouais. Alors, un pharmacien qui était un ami à moi m'a prescrit un médicament qui coûtait environ 3000 francs. Que je prenais quand la douleur était trop forte. Oui, trop forte. Et donc aujourd'hui, vous continuez à travailler comme domestique? Oui, mais ça va. J'arrive à subvenir aux besoins de mes sœurs. La première est en terminale et la deuxième en cinquième. La première est en terminale et la deuxième est en cinquième. Voilà. Alors, nous allons marquer encore une pause. On part pour la plage publicitaire. Juste le temps de raccompagner notre témoin. Et je veux à présent passer la parole à Maman Suzanne qui est avec nous, qui a collecté plusieurs de ces cas de viol et également à Madame Annick qui est notre psy du jour pour pouvoir nous dire réellement quelles sont les conséquences de ces actes sur les victimes. Plage publicitaire. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Manu Lior, artiste chanteur, guitariste, beatmaker et chroniqueur musical dans l'émission La Pause. Nous sommes dans l'antichambre de Pause Voice Interview et nous allons aller à la découverte de l'artiste. C'est parti. Salut, moi c'est Léa Sidi Kossi Edem. Je suis père de famille, je suis pasteur, chanteur, compositeur et... entrepreneur. Come on, everybody. L'aventure a commencé depuis 2005 quand je me suis adhéré à ma chorale, la chorale Ntifafa que je salue de passage.
à Blancamain. C'est un message d'espoir pour l'année, un message de grâce, de joie, d'abondance et de santé que nous demandons au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous bénir. Voilà, alors une histoire assez brisante, et c'est également l'histoire de beaucoup de milliers de femmes, également d'enfants, de personnes dans le monde entier, mais qui n'osent pas, comme notre témoin aujourd'hui, prendre la parole et dénoncer. Malheureusement, ce papa est toujours en liberté, il vit sa vie tranquillement, mais cette jeune dame a décidé de reprendre sa vie en main, sans moyens, mais de lutter pour ses deux petites sœurs en travaillant comme domestique dans les ménages. Maman Suzanne. Bonjour aussi. Bonjour maman. Bonjour, Suzanne. Maman. C'est vraiment triste. Ça, c'est un viol doublé d'inceste. Et c'est une relation incestueuse. Un père qui couche avec sa fille. Et ça détruit la personne. Ça détruit la personne. La personne se demande qui elle est. La personne ne connaît plus son identité. Ce père devait être le protecteur de sa fille. Il devait être le garde-fou de la vie de cette fille. Mais c'est lui qui l'a détruit. Et les gens qui subissent ce genre de choses sont vraiment démoralisés, et physiquement, et spirituellement. Parce que le viol ouvre la porte à des infestations démoniaques. Et c'est très grave. Vous voyez que quelque temps après, la personne est là, mais elle n'est plus avec vous. Elle est dans le vide. Vous avez l'impression qu'elle converse avec d'autres personnes. Et quand vous l'appelez, elle sursaute. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et à long terme, il y a beaucoup de conséquences. Comment une personne comme ça peut pouvoir accepter une vie sexuelle si elle se marie? Chaque fois que son mari l'approche, elle va avoir comme l'impression que c'est son père. Et qu'on va l'agresser. Qu'on va l'agresser. Elle ne connaît pas le bon côté du rapport sexuel. Elle n'a eu que le côté violence. Donc, c'est très difficile à ces personnes-là de se reconstruire. J'ai reçu beaucoup de femmes comme ça. Et certaines sont reparties vers leur maman, mais leur maman n'a pas pu les aider. Dernièrement, j'ai reçu une dame qui a été violée par son père. Et son père et sa mère ont divorcé. Elle est restée avec son père. Et bien qu'elle soit déjà âgée, qu'elle ait déjà des enfants, son papa l'a violée. Ah? Oui, son papa l'a violée. Et elle est retournée vers sa mère qui l'a renvoyée. Elle n'a pas pu l'aider. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on puisse venir en aide à ce genre de personnes. Absolument. Ça m'a poussée à rassembler les petites filles de 5 ans jusqu'à X et à les enseigner sur le viol. Il y a de quoi, parce que je commence à leur apprendre les différentes parties de leur corps. Et quand elles le disent, quand elles arrivent sur leur sexe, elles n'arrivent pas à s'exprimer. Les petites filles ne connaissent pas leur corps. Elles ne connaissent pas leur sexe. De grâce que les mamans apprennent aux petites filles qu'elles ont un sexe et qu'elles sont maîtresses de leur corps. Et que personne ne doit... Personne n'a le droit de les toucher. Et le viol, ce n'est pas seulement la pénétration. L'attouchement est un viol. Oui, l'attouchement. Et on utilise des images pornographiques pour agresser les petites filles. Ouais. Tout ça là, doit être enseigné aux enfants pour que les enfants puissent dire non. Quand ça se présente.
quand ça se présente. Et je leur apprends que lorsque quelqu'un te touche comme ça, que ce soit papa ou tonton, parce que la plupart du temps, c'est des gens de, la famille, hein. De l'entourage ouais. De l'enfant qui font ça. Et que même si c'est papa, si c'est tonton, il ne faut pas lui dire « ne fais pas ça ». Mais il faut crier fort. Parce que quand tu lui dis « ne fais pas ça », il ne va pas te laisser. Mais quand il sait que des étrangers, d'autres personnes vont t'entendre, là, il va s'abstenir. Il va te foutre la paix. Maman Suzanne, je vous prends la parole quelques secondes parce que nous avons Madame Annick avec nous. Madame Annick, vous avez suivi le témoignage de notre jeune sœur. Alors, vous, vous êtes psychologue. Dans quelle prédisposition une personne qui a subi le viol pendant toute cette période, ou même ne serait-ce qu'une seule fois, doit se mettre pour pouvoir retrouver confiance en soi et réapprendre à vivre? Parce que c'est quelque chose qui marque et avec laquelle on grandit mine de rien. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Je salue au passage le courage de cette demoiselle parce que beaucoup n'arrivent pas à en parler, ils n'arrivent pas à verbaliser, surtout quand il s'agit de petites filles, de jeunes filles ou de femmes. Elles n'ont pas le courage de s'exprimer, d'extérioriser ce qui ne va pas. Et là, je lui dis vraiment chapeau. Si elle a pu en parler et que on ait tout un concert de paroles, d'actions autour de cette situation, ça pourrait aider d'autres filles dans la situation. Donc, en revenant, si je dois revenir sur son cas, vous avez vu un peu la manière dont elle a parlé de son histoire. C'est juste triste. Notre maman a parlé, elle a donné ses conseils. Le papa qui est censé protéger cette fille est devenu le bourreau. Et non seulement ça, le bourreau, mais en plus, un viol. Le viol, ce n'est pas juste une infraction physique. C'est une infraction mentale également. Ouais. Ça entre dans le volet psychologique. Parce que ce n'est pas juste une brisure d'une certaine barrière corporelle. Il y a une brisure mentale. Ouais. La fille, quand elle va se trouver face à des jeunes hommes qui voudront bien faire quelque chose de sérieux avec elle, elle ne va pas pouvoir se livrer. Ouais. Parce qu'il y a une peur qui est là. Il y a une anxiété permanente qui a été là. Il y a cette angoisse qui a été là. À chaque fois que quelqu'un va vouloir l'approcher, il y aura ce repli. C'est un peu comme, je vais vous donner peut-être une petite image. On est là dans le studio. Voilà quelqu'un qui entre, qui fracasse la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sera notre première réaction? On panique. Ouais. On va se replier sur soi ou bien on va chercher quelque chose pour lancer à la personne de se défendre. Oui. Imaginons que cette scène soit l'aspect mental. On brise, il y a des brisures, il y a des débris. Quand on casse une vitre, qu'est-ce qui se passe? Il y a en mille morceaux. Et une fille qui prend tout le temps pour recoller les petits morceaux. Ça prend énormément de temps. Quand elle finit de recoller les petits morceaux, c'est vrai, à moindre choc, ça peut encore tomber. Les débris peuvent tomber. On fait comment? Donc là, c'est une situation assez complexe qu'il faut rapidement dénoncer. Il y a beaucoup de séquelles. Il y a énormément de séquelles quand on se retrouve face à ce genre de victimes. Il y en a qui sont totalement déprimés ou il y en a qui développent une agressivité parce que c'est le mécanisme de défense qu'elles ont trouvé. Pour se protéger. Exactement. En dehors de ça, il y en a même, on peut assister à des tentatives de suicide. Parce que la personne est là, on l'a brisée dans son identité. Il n'y a plus ça. On lui a pris son identité. C'est ce qui définit toute personne. On lui prend son identité et on lui demande de sourire au monde, de faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Non.
ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire qu'il y a un travail monstre à faire sur une Absolument. Personne, une victime de viol. Alors, je veux juste préciser que c'est la première partie, justement, de ce thème que nous avons aujourd'hui développé. Nous avons voulu vous présenter le cas de cette jeune dame. Il y a toute une action qui a été, justement, engagée autour d'elle, donc un bilan de santé qui a été réalisé par le docteur Adodo et qui donne comme résultat qu'il y a de graves problèmes au niveau de ses trompes, au niveau de son organe de reproduction et qu'elle doit être accompagnée impérativement. Des personnes se sont engagées également en faisant des dons financiers. D'autres personnes se sont proposées ou ont fait des promesses de dons. Et on attend, si vous avez envie, vous êtes touché par cette histoire que vous voulez accompagner, que vous nous fassiez signe sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Madame Annick, nous allons revenir sur comment aider une personne à sortir de cette situation. Je vous souhaite la bienvenue dans la pause parce que vous allez nous accompagner à sortir plusieurs personnes des situations. Ce ne sera pas que le viol. Maman Suzanne, je vous dis sincèrement merci et désolée de vous avoir brisé le cœur une fois de plus. Linus, j'ai vu couler des larmes. Je suis vraiment désolée et pareil pour ceux qui nous regardent. On va se dire à demain, mais ce sera pour le mardi prochain, la deuxième partie de cette émission. Et merci à la réalisation pour le temps accordé. Merci également à notre témoin. Bisous chez vous et bonne journée.